Salut tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Donc du coup voilà, du coup sur ce je vous laisse avec du coup la vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir et puis je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à tout de suite. Y'a plus pas de centrique, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc cette vidéo sur Fortnite du coup pour les défis de la semaine 10 de la saison 4 du chapitre 2. Voilà, comme d'habitude, tous ces défis normalement vous rapportent 200 000 V-Bucks, mais je vois que 200 000 XP, 50 000, 100 000, et non, cette fois-ci il n'y a pas de défi à 50 000, du coup ça sera 175 000 XP. Du coup, on va commencer par le premier, fouiller des coffres au nord de New York. Alors là, franchement, je pourrais pas vous dire où ça se situe parce que peut-être avec les comment dire, voir les détails. Ok, c'est pas inscrit. Donc au nord de New York, donc là je pourrais pas vous dire où ça se trouve. Ensuite, réussir des éliminations à Lazy Lake, donc il faut faire 3 kills à Lazy Lake, donc du coup 7 coffres au nord de New York. Ensuite, collecter du métal à Slurpee Swamp. Donc vous atterrissez à Slurpee et vous avez juste à bah, tout simplement récolter 200 de bulles en ferraille. Voilà. Attraper du poisson au lac Cœur. Donc ça encore une fois. Je sais pas où c'est non plus, vous m'excuserez. Ensuite, éliminer des adversaires en les percutant avec des véhicules. Donc vous juste à prendre une voiture, n'importe laquelle, et vous faites un kill en percutant un mec avec une voiture, simplement. Ensuite, aller en bateau à la flottille, de la flottille à l'autorité en moins de 4 minutes. Donc du coup, vous partez de la flottille en bas à gauche, en bateau. Et vous allez tout simplement à l'autorité en moins de 4 minutes bah, avec un bateau tout simplement. Rien de plus simple. Et pour terminer, le dernier défi c'est parcourir 2000 mètres dans un véhicule. 20 000, pas 2000. 20 000 mètres. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu long, mais en squad ça risque d'aller très vite si vous prenez chacun un véhicule. Et ça rapporte du coup, tous les défis rapportent 25 000 XP, du coup comme je vous l'ai dit, qui fait un total de 175 000 XP. Et du coup, on va passer aussi pour les autres défis de cauchemar. Il faut éliminer Midas à l'autorité, voilà, pour gagner je ne sais pas quelle récompense, mais ça s'appelle un broie-lanterne. Voilà. Ensuite, il faut visiter plusieurs cabanes de sorcières. Donc, il y en a une à côté, à droite de l'autorité. Voilà, du coup, il faut en visiter trois. Moi, j'en ai déjà visité une. Et ensuite, consommer du butin légendaire en étant une ombre, tout simplement. Donc là, vous pouvez le faire à plusieurs. Et bah, il faut juste en manger une seule. Donc je pense que c'est très simple en game. Si vous tombez contre un mec, vous êtes, je sais pas, une bonne. Enfin, vous êtes une team de 4. Vous rushez un mec, il a un space en or ou une tout type d'arme en or. Vous la mangez et vous aurez fini votre défi. Que ce soit vous ou quelqu'un de votre team, voilà, tout simplement. Et vous débloquez un bobo. Après ça, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Du coup, moi sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura aidé pour réaliser vos défis. Moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite bon game. Peace!